Dans la campagne lyonnaise, une nécropole à l'architecture exotique se dresse telle une sentinelle. Ici reposent les corps de soldats africains venus rougir de leur sang la terre de France en juin 1940. En Afrique, Tata signifie enceinte fortifiée. Si ses portes sont toujours ouvertes, c'est que le seul ennemi à craindre est l'oubli. Mais la lumière de toute mémoire porte ses zones d'ombre. Et c'est aussi leur histoire qu'il nous faut raconter pour retracer celle d'un monument à la silhouette unique, le Tata sénégalais de Chasselet. L'origine du Tata est à chercher dans un épisode méconnu de l'histoire de France, celui du massacre du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Les hommes de l'époque ont fait une tranchée, quoi. De, je ne sais pas, 2 mètres peut-être de large pour pouvoir les mettre les uns à côté des autres, tant qu'il y en a eu. Hein. Et puis ça y est, et puis après ils ont bouché. Puis après, nous, on a fait ce Cet enclos, par la suite, vous les avez déterrés. Par la suite, je ne sais plus en quelle année, ils ont été déterrés pour les rentrer dans le Tata sénégalais. Les souvenirs des Chassellois ne sont pas les seuls à rappeler la tragédie. Plusieurs cérémonies ont lieu au cours de l'année au nom du devoir de mémoire. Pour approcher l'histoire exceptionnelle du Tata de Chasselet, il nous faut remonter aux années les plus sombres de l'histoire de France. Juin 1940, l'armée allemande franchit la frontière française et la drôle de guerre cède le pas à la débâcle. Les combats feront plus de 100 000 morts. Le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France. Mussolini demande à Hitler de l'aider à prendre à revers l'armée française des Alpes qui défendait la frontière. Dès le 17 juin, les Allemands sont à Mâcon. L'armée française est totalement désorganisée. Les communications se font difficiles et alors que des troupes se battent encore, d'autres abandonnent les combats. La nuit du 17 juin, le maire de Lyon et président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, qui veut éviter des combats dans l'agglomération, obtiendra du maréchal Pétain que Lyon soit déclarée ville ouverte. La résistance à l'avancée de la Wehrmacht ne repose plus alors que sur les lignes de défense placées au nord de l'ancienne capitale des Gaules. L'essentiel de ses forces est alors composé du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Le 25e régiment de tirailleurs sénégalais est une unité tout à fait particulière. Il est fondé le 16 avril 1940 à Souge. Ce régiment a donc été créé pour la campagne de 40 et il a été dissous à l'issue des combats de juin 40, officiellement le 31 juillet 1940. C'est donc un régiment qui a une durée d'existence très courte, le temps de la campagne de France. À cette date, les tirailleurs sénégalais ont déjà plusieurs décennies de présence au sein de l'armée française. Le corps des tirailleurs sénégalais est né
par ce qu'on appelle le décret de Plombières en 1857, par une volonté du gouverneur du Sénégal à l'époque, Federbe. Mais c'est le chef de l'État français à l'époque, l'empereur Napoléon III, qui a signé ce décret. Il s'agit de faire en sorte que ce soit l'élément qui maintienne la sécurité dans la colonie. Et bien entendu, ce sont ces tirailleurs, les mêmes tirailleurs, qui vont par la suite passer à l'offensive, je l'ai dit, dans la conquête coloniale, au-delà du Sénégal, pour d'autres territoires qui deviendront les colonies d'Aouef et d'Aïef par la suite. Alors, au départ, l'aventure commence au Sénégal, à Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve, et donc on baptise ce premier bataillon tirailleurs sénégalais. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces tirailleurs vont garder cette appellation générique pendant toute l'histoire de la Force Noire jusqu'aux années 60. Alors que pour la plus grande majorité d'entre eux, au fur et à mesure de la pénétration française en Afrique, les recrutements se limiteront dans quantité au niveau du Sénégal. Et de plus en plus, c'est le cœur du continent noir, l'Afrique centrale et en particulier le Soudan qui fourniront la majorité de ces tirailleurs. Quelques années plus tard, alors que l'Empire français est consolidé en Afrique, un officier va trouver une nouvelle utilité aux tirailleurs sénégalais. Le général Mangin est un de ces grands chefs militaires qui a commencé sa carrière en Afrique. Il publie un livre qui s'appelle « La Force Noire » en 1910, dans lequel il plaide pour la constitution d'une armée africaine formée de tirailleurs sénégalais. L'idée de Mangin, c'est en fait, avec cette armée, cette force noire, de pouvoir maintenir des troupes de souveraineté, en particulier en Afrique du Nord, de façon à libérer des contingents métropolitains qui puissent, eux, rentrer en métropole pour participer à la guerre avec l'Allemagne qu'en 1910, tout le monde commence à sentir venir. Pour l'essentiel, en 14-18 comme en 39-45, ce sont des gens qui sont obligés de s'enrôler dans l'armée française. Et presque partout, les hommes qui vont sous les drapeaux sont des gens qui appartiennent au village de manière générale. Et là, on vient les chercher de force. Le nombre de volontaires est relativement faible par rapport à ceux qui sont obligés d'être sous le drapeau. À partir d'avril 1915, des milliers de tirailleurs sénégalais vont transiter par les camps de Fréjus. En 1928, dans le souci de diminuer leur mal du pays, le général Lame y fit construire une missirie, ce qui signifie mosquée en langue bambara. Tata de Chasselet et cette mosquée africaine de Fréjus sont donc deux rares et précieux témoignages de la présence de ces tirailleurs sénégalais de la Force Noire qui sont venus combattre en France et pour beaucoup sont morts au cours de ces combats pour cette patrie française si lointaine. Là, vous êtes dans un couvent qui s'appelle le couvent de Montluzin, qui se trouve derrière vous. Donc, en 1940, ici, il y a des sœurs qui vivent. C'est une maison de retraite. Et le 17 juin 1940, arrivent les soldats français qui s'installent un peu partout et qui vont mettre en place une barricade ici au niveau du rond-point qui existe aujourd'hui. Pourquoi ce rond-point? Parce qu'en face, c'était la Nationale 6 qui descendait de Paris. Et sur cette nationale arrivent les Allemands. L'ensemble des troupes qui sont placées au nord de Lyon sont placées sous les ordres du général de Mesmet. On décide essentiellement de bloquer sur deux points importants qui sont la Nationale 6 et la Nationale 7, plus de l'autre côté de la Saône, les légionnaires qui sont chargés là aussi de retarder l'entrée des Allemands dans Lyon.
Alors nous avons mis en place notre batterie dans les journées où ceux qui ont suivi, aux endroits où ça avait été fixé. Et alors je me rappelle quand nous étions dans le camion et nous allions là-bas à Montluçon, nous avons rencontré des quantités de gens qui remontaient sur Lyon. Il y avait même aussi des soldats qui avaient perdu leur régiment, qui remontaient. Et alors tous ces gens-là nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez du côté des Allemands, c'est là-bas qu'arriveront les Allemands, il faut aller de l'autre côté. L'unité allemande qui arrive sur la Nationale 6 est le régiment Großdeutschland, littéralement Grande Allemagne. Donc c'est un régiment d'infanterie motorisée qui combat depuis mai 1940 et qui déboule de Bourgogne sans rencontrer de résistance sérieuse. Et donc quand ils arrivent à Montluçon, bah pour eux c'est vraiment une grosse surprise. Ils sont arrivés vers midi, 11h30 midi. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont été arrêtés par les patrouilles qui étaient au carrefour de Montluçon. Et ils ont brandi un drapeau blanc en disant l'armistice est signé. Ce qui était absolument faux à ce moment-là. L'armistice est signé. Laissez-nous passer. Et alors, les hommes ont répondu, les Sénégalais ont répondu par un tir. Et alors, leur officier m'avait dit, quand ils commenceront à tirer, vous pouvez y aller aussi. La bataille déclenchée par le tir de l'adjudant Requier dura près de 5 heures. La chapelle restait miraculeusement intacte, servie de refuge aux religieuses. Lors de la prise du couvent, les soldats de la Wehrmacht se montrèrent indignés par cette attaque inattendue depuis un édifice sacré. Mon maréchal de logis-chef qui est à côté de moi et moi, nous avons entendu les cris des Sénégalais qui étaient mitraillés dans la cour du couvent. Le lieutenant de réserve Pango fut à son tour capturé et conduit au devant d'un officier allemand. Alors il m'interroge en excellent français. En français est impeccable. Et il me dit, vous êtes officier? Oui. Eh bien, je vais vous faire fusiller. Alors je lui dis, mais pour quelle raison? Parce que vous commandez les Sénégalais. Ah, je dis, non, pas du tout. Je commande une batterie d'artillerie. Ah, mais c'est un peu différent. Si c'est ça, c'est différent. Ce 19 juin, plusieurs gradés furent exécutés pour avoir commandé des soldats noirs à Montluçon. Pendant ce temps, les troupes chargées de retenir les ennemis sur les bords de la Saône ont abandonné leur poste. Dès le milieu de l'après-midi, l'étendard nazi flottait sur Lyon. Les combats de Montluçon auront retardé de plusieurs heures l'avancée de l'armée allemande, conformément aux objectifs fixés par l'état-major. Le lendemain 20 juin, les rescapés de la 3e compagnie du 25e régiment de tirailleurs sénégalais se réfugiaient dans le parc du Plantain à Chasselet. Ici, l'esprit de corps fut mis à l'épreuve dans un dernier baroud d'honneur. L'escouade qui était ici était en poste par le fait, mais ils n'ont pas vu d'Allemands le premier jour. C'est que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on vient de nous avertir, et dit, les Français, les troupes qui sont ici ne se rendent pas, ils vont se battre, alors il faut évacuer le château, la bataille va être ici. Il y avait 32 ans, 31 ans, 32 ans. Les ordres, c'était de se camoufler à tel endroit, sous la conduite des 6 officiers, des officiers, on nous indiquait l'endroit. C'était parce qu'il y avait un château et un parc. Alors, il y avait dans des trous, il y avait des arbres, on a compris que c'était le commencement de la fin. Et chacun a pris un poste avec sa mitrailleuse lourde. Donc on a un déploiement de troupes allemandes, cette fois des SS de la division Totenkopf qui était la veille dans la zone de l'Arbrel, qui servait jusque-là à la garde des camps de concentration. Les troupes qui se retrouvent à Chasselet, donc au soir du 19 juin 1940, n'ont plus aucun moyen de transmission
plus aucun contact avec l'état-major ou avec leur commandement. Donc ils savent que Lyon est tombé. Ils ne savent pas où est l'état-major de leur régiment, ils ne savent pas où ils se sont repliés, ils n'ont pas de moyens de locomotion, rien du tout. Mais ils décident de mener ce dernier combat pour le Nord. Capitaine Goudy, c'est lui qui a rassemblé les types pour faire le dernier baroud d'honneur de l'armée française. La France ne se rend pas sans combattre. Quels sont les volontaires? Alors avancez-vous et regardez à vous. Présent mon capitaine. Alors le 20 juin 1940, un véhicule allemand arrive à Chasselet et se heurte à un barrage de soldats français. Donc forcément les soldats français tirent, etc. Et là les Allemands sont prévenus qu'une troupe française demeure à Chasselet pour résister. Vers midi et demi, une heure comme ça, on a entendu des motocyclettes qui venaient vers nous. Ils donnaient l'ordre de tirer à volonté, tir à volonté. De tout ce qui bougeait, tir à volonté. Et on a commencé à tirer à travers les arbres, jusqu'à 5 heures de l'après-midi. À 5 heures, ils nous ont submergés, et avec les mitraillettes, au point, nous, on n'avait plus de munitions. Qui c'est qui allait chercher les munitions? On avait ce qu'on avait au début. Les cartouchières pleines, puis après, on n'avait plus de munitions. Après la bataille, quand ils se sont rendus, ils les ont tous amenés là-devant. Et ils les ont désarmés, là, où je vous dis, devant la conciergerie. Alors, les Français, ils les ont fait prisonniers, ils les ont amenés. Et les Noirs, les bras en l'air, 2 kilomètres, ça fait 2 bons kilomètres pour aller là-bas. Les bras en l'air, ils les ont descendus là-bas et ils les ont fusillés. Tout ce qui était noir, tout. Pas de détails. Les Sénégalais, ayant les bras en l'air, voulaient à un moment donné baisser les bras. Interdit de baisser les bras aux Sénégalais. À nous, ils nous ont dit, ils nous ont fait signe de baisser les bras. On est arrivé dans une plaine, à un quart d'heure du village, là, à peu près, et il y avait des camions alignés, là. Ils nous ont dit de nous arrêter. Et les soldats allemands font signe aux soldats français, aux blancs, de se coucher, de s'agenouiller sur la route. Les soldats noirs sont dirigés dans un champ, et là, les blindés, les mitrailleuses allemandes, les soldats allemands ouvrent le feu. Le tir des mitrailleuses allemandes a commencé. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde était par terre, en gignant. Enfin, les chars tirèrent à coups de canon sur la masse des corps étendus. Un char a ensuite quitté la route pour poursuivre quelques hommes qui avaient réussi à échapper aux balles. Peu, je crois, ont échappé au massacre. Ils criaient, ils pleuraient. Nous, on a